Ainsi, ce que pointe ce concept de solidarité écologique, ce sont des liens de dépendance entre les humains et les éléments non humains qui constituent ce que l'on nomme la nature, et qui font que les uns et les autres se retrouvent de facto solidaires. Alors, pour rendre tout ça un peu plus concret, prenons un exemple, celui qui nous occupe aujourd'hui, l'eau. Le ministre Nicolas Hulot a reçu les présidents de comités de bassin et de conseils d'administration cet été et début septembre pour échanger un petit peu sur le contexte budgétaire et les priorités donc fixées aux agences. Donc je dirais qu'elles sont au nombre de 4 et une cinquième transversale. L'urgence d'agir pour le climat, pour la qualité de l'eau, des sols et pour modifier aussi en profondeur nos modes de vie, de production et de consommation. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que atteindre le bon état écologique des eaux, c'est pas seulement faire un peu plus, un peu mieux, mais c'est vraiment une forme de révolution, une révolution douce bien sûr, mais qui doit nous conduire vraiment à franchir un saut qualitatif dans la performance de ce que nous faisons et des actions qui sont menées. Je suis persuadée que c'est possible. Aujourd'hui, on a un nouveau cadre budgétaire. La loi de programmation a été votée à la fin de l'année dernière et promulguée récemment, qui prévoit des plafonds de redevances qui vont se réduire d'à peu près 200 millions d'euros pour l'ensemble des agences de l'eau. Et donc, on rentre dans une période de décroissance en matière de ressources financières. Donc il nous faut travailler autrement. Je pense que ça fait partie du thème principal de la table ronde. Et donc il faut s'attendre pour le bassin Loire-Bretagne à des moyens d'intervention d'à peu près 25% en baisse sur les 6 ans. Eh bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, grand merci d'être avec nous. J'allais presque dire d'être avec nous aussi dans le sens de l'histoire, puisque vous êtes les uns et les autres donc des acteurs assez formidables sur le terrain de cette vague aujourd'hui absolument indispensable du zéro phyto. Alors, Thierry Burlot, cher Thierry, s'il vous plaît, et aussi Joël Labbé, venez, cher Joël, sénateur du Morbihan, aussi avec nous, et qui a été donc l'instigateur et à l'initiative donc de cette loi donc sur les zéro pesticides, et vous le savez donc aujourd'hui, oui, vous pouvez les applaudir. Au-delà des enjeux bien réels de péréquation financière et d'organisation institutionnelle, laissera-t-on les acteurs qui cherchent aujourd'hui à construire cette solidarité territoriale autour de l'eau, autour du grand cycle de l'eau, c'est-à-dire les comités de bassin, les commissions locales de l'eau, les comités de bassin versant, les commissions futures ou actuelles en charge d'exercer la GEMAPI dans les collectivités, laisserons-nous tous ces acteurs peser réellement dans les choix de développement? À quoi servent les redevances? Et quel est le champ de compétences des agences? Le directeur, il va falloir choisir. Mais on va écrire un SDAGE et un 11e programme sans savoir si on est compétent ou pas. Parce que je vous ferai remarquer qu'on est allé sur le grand site parce qu'on nous a sollicité. Et parce qu'à un moment donné, il y avait de l'argent. On sent bien que tous les acteurs sont mobilisés et il est important que partout, il y ait de telles structures qui permettent à tous de se rencontrer, d'amener leur retour d'expérience, d'amener leurs idées et leurs visions du futur pour arriver à une politique collective dans laquelle tout le monde s'engage de la manière la plus solidaire. De plus, hein. C'est, on se regarde en pourcentage, 10 000 l'année dernière, 11 000 cette année. Donc c'est formidable et ça continue. On vous souhaite une bonne fin pour ces carrefours de l'eau. Grand merci à vous toutes et à vous tous. Et à très vite et à bientôt.